Salut, aujourd'hui on va parler du paillage. Paillage plastique ou paillage organique. Alors pour ma part, vous avez vu, j'utilise les deux, mais surtout pour mes planches, j'utilise le plastique. Hein, les toiles tissées, c'est du plastique. Et l'avantage, c'est que je peux les réutiliser. Et j'utilise aussi du paillage, alors de la paille tout simplement, parce que je n'ai pas de foin, donc je peux avoir de la paille. Et puis je vais vous dire si les deux sont efficaces. Alors, le paillage en plastique. Contrôle efficace des mauvaises herbes. Le paillage en plastique bloque la lumière, empêchant ainsi la croissance des mauvaises herbes. Conservation de l'humidité. Il réduit l'évaporation de l'eau et maintient l'humidité au sol. Durabilité. Plus résistant que les matériaux organiques, il peut durer plusieurs saisons. Moi, personnellement, ça me dure des dizaines d'années, hein. Ça fait déjà 6-7 ans que je les ai, je les replie bien, et puis voilà, on les nettoie bien, on les replie bien, on les met dans des endroits protégés, hein, surtout pas les laisser, éviter de les laisser quand mouillés, hein, vous les repliez bien, vous essayez de les sécher avant, et puis c'est comme ça qu'on les garde, mais toutes les bâches ici, par exemple les plastiques, les voiles d'hivernage, tout ça, c'est comme ça qu'il faut faire pour qu'ils se gardent très longtemps. L'inconvénient, l'impact environnemental. Fabriqué à partir de produits pétroliers, le paillage en plastique n'est pas biodégradable et contribue à la pollution de plastique. Bon, ça, bien sûr, ça vous ferait votre avis personnellement. Absence d'amélioration du sol, contrairement au paillage organique, il n'apporte aucun nutriment au sol lors de sa dégradation. Risque de surchauffe, surtout en climat chaud, le plastique peut surchauffer le sol, affectant négativement les racines des plantes. Alors, oui, effectivement, si on l'utilise directement comme ça, par exemple si vous voulez mettre du paillage comme ça autour de vos rosiers, vos massifs, tout ça, ce qui est bien aussi, c'est si vraiment il fait très très chaud, et bien vous remettez dessus des feuilles, de la paille, pour atténuer justement cette surchauffe. C'est vrai qu'avec le plastique, ça va surchauffer. Donc automatiquement, c'est ce qu'on fait. Alors bien souvent, on met une toile tissée, puis on met des cailloux dessus, par exemple, pour faire joli dans les massifs d'ornement, tout ça. Donc c'est des petites astuces. Et puis, bon, c'est vrai qu'il n'apporte pas de la matière au sol. Mais bon, voilà, c'est ça l'avantage, contrairement au paillage organique. Je vais vous le dire, les deux avantages par rapport à ça, c'est que l'un donne de la nourriture, l'autre ne donne rien, mais il se garde très longtemps. Paillage organique. Amélioration du sol. En se décomposant, il enrichit le sol en matière organique et en nutriments. Oui. Contrôle des mauvaises herbes. Bien qu'il soit moins efficace que le plastique, il aide à réduire la croissance des mauvaises herbes. Impact environnemental favorable. Étant biodégradable, il s'intègre naturellement dans l'environnement sans causer de pollution. Donc c'est pour ça que moi j'utilise les deux. Voilà, après c'est un choix que vous faites vous-même. Alors il y a des personnes qui ne vont même pas utiliser de paillage, ils vont biner tous les 5 minutes et puis voilà. Après moi c'est une question de confort, j'utilise les deux pour réduire mon temps, surtout, vous le savez tous et toutes, que dans tout ce qui est domaine du jardinage, c'est les mauvaises herbes qui nous embêtent. Alors on dit, on ne doit plus dire les mauvaises herbes, mais moi je dis que c'est les mauvaises herbes parce qu'ils m'embêtent. Mais bon, voilà, chacun fait son opinion. Mais voilà, moi ça me réduit mon temps, surtout, vous voyez, là j'ai de la mâche en face, là, elle est remplie de mourons. Bon, je m'en sors pas, c'est-à-dire j'ai pas trop le temps. En plus, je pensais qu'avec la gelée qu'on a eue, elle allait diminuer, mais pas du tout. Comme elle était sous le tunnel, elle a continué à pousser. Puis bon, elle embête un peu la mâche. Bon, l'avantage, c'est que la mâche, là, elle se termine. Donc on va pouvoir nettoyer tout ça rapidement. Mais vous voyez, les adventices, c'est embêtant quand même. Inconvénient. Entretien régulier, il doit être renouvelé régulièrement car il se décompose avec le temps. Moins efficace pour la conservation de l'eau par rapport au paillage en plastique. Hop. Il est moins efficace pour empêcher l'évaporation d'eau. Attraction des nuisibles, certains types de paillage organique peuvent attirer des insectes ou des rongeurs. Alors c'est vrai que il faut en remettre souvent, surtout le foin. Vous voyez la paille est quand même plus grosse que le foin, donc le foin, on va dire, quand vous avez des régions humides puis chaudes, le foin, vous allez peut-être en mettre 2-3 fois, ça dépend. Mais nous, la paille, par exemple, en Normandie, j'en mets qu'une fois, donc c'est vrai. Mais par contre, si vraiment je voulais que ça empêche vraiment constamment les mauvaises herbes, il faudrait que j'en mette au moins 2 fois dans l'année pour avoir une grosse couche
pour pouvoir bien qu'il n'y ait plus de lumière pour faire germer les graines. Donc voilà, après c'est un choix. Mais vous voyez, moi j'utilise les deux, comme ça je... voilà, ce que je vous ai dit, je fais attention. Et ensuite, c'est vrai que, sous le paillage naturel, c'est vrai qu'il y a plus de rongeurs. Mais il paraît que les deux font pareil, il y a, sous les bâches, ils sont un peu moins embêtés. Mais je pense que sous l'organique, eh ben, avec les débris, tout ça, eh ben, ils font leur petit nid avec et tout, puis ils sont bien, ils sont dans le cocon. Et que le plastique, bon, bah, comme ils peuvent pas le manger, on voit bien que quand on met des bâches, c'est pas les rongeurs qui les mangent. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, ils se mettent en dessous, ils se font des galeries. Donc, bon, ce qu'ils font, ils vont chercher de l'herbe ou de la paille à un peu plus loin. Parce que moi, je l'ai vu, quand je soulève, bah, j'ai des petits nids de paille ou autre. Bon, bah, c'est vrai que le paillage, ça attire les rongeurs. Ça, c'est simple et clair. Mais bon, moi, tout le monde se régule. C'est-à-dire, j'ai des chats à la maison, donc ça régule. Et ça évite bah, tout ça, tous les rongeurs. Et puis, bah, les rongeurs, bah, on en a, tant pis, on fait attention, on fait avec. Et puis, c'est comme ça, quoi. Hein. Voilà, j'espère que ces deux comparaisons bah, vous ont donné une petite idée de ce qu'il faut choisir. Moi, personnellement, j'utilise les deux. Ça me convient très très bien comme ça. Surtout pour les bâches en plastique, les toiles tissées. Surtout l'hiver et en pleine saison de culture. Là, j'utilise plutôt de la paille. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, salut! Alors aujourd'hui, le désherbage, bah c'est très embêtant dans nos potagers. Moi, je vais vous donner une astuce très simple, très rapide et surtout pour éviter de vous casser le dos. Moi, j'utilise des toiles tissées avec des simples agrafes. Je maintiens l'ensemble sur mes planches et ça se passe très très bien. Le désherbage est réalisé à partir de 2 à 3 mois en fonction de la nature de votre sol et surtout en fonction du désherbage à réaliser. Si vos planches sont remplies d'herbe, évidemment, il faudra même attendre de 6 à 1 an pour totalement enlever les herbes, surtout si c'est des herbes vivaces telles que les ronces ou les choses comme ça. Si c'est simplement un entretien régulier, vous avez simplement à mettre pendant 2 à 3 mois vos toiles tissées et le tour est joué. Alors voici comment sont mes planches avec pas mal d'herbes. Pas sur l'ensemble des planches, mais déjà ce coin là est vraiment rempli d'herbe. Et bien simplement avec cette toile tissée, ça va marcher, vous allez voir. Et voilà le résultat, vous avez vu là, au bout de quelques mois, sous le plastique, sous la bâche, la toile tissée, ça c'est impeccable. J'ai plus qu'un petit coup de griffe à mettre et je pourrais planter, semer ce que je veux. Vous voyez la différence entre là et là. Donc là, on va faire la même chose, on va mettre une nouvelle bâche qui va rester à peu près 3 mois. À partir de mi-mars voire début avril, je pourrais commencer à planter dedans ou à semer. Alors voici le matériel qu'on a besoin: une toile tissée et non pas une bâche plastique, hein. Ça c'est important, une toile tissée ça laisse passer l'air et l'eau, ça c'est très très important.